pour la seconde fois, le même jour où nous nous sommes croisés, la seconde fois, on se croise à l'arrêt Paris, comment on appelle ça même, cet arrêt-là? Saint-Lazare. Voilà. Je ne sais pas, il y a un truc qu'on appelle Saint-Lazare là-bas. Une gare à Paris là-bas. Voilà. Donc, on se croise à Saint-Lazare. J'ai pris le métro, je suis parti là-bas. Arrivé là-bas, je l'ai appelé. Elle m'a donné sa position. On s'est croisé. C'est elle qui me fait sortir. Hein. Elle m'a fait sortir. On a encore pris un verre. Elle m'a mené dans un restaurant. En tout cas, ce restaurant-là, je pense que c'est chez les riches. C'est situé aux Champs-Élysées. Et elle m'a montré une maison. Elle dit non, ça c'est la maison de Guy Kaoué. Et elle m'a montré une autre maison. Elle dit non, ça c'est chez Tricot. Et puis il y avait des grands magasins à côté. Elle dit ça c'est pour la première dame Dominique Ouattara. Elle m'a montré ça. Elle dit ça c'est pour Dominique Ouattara. L'autre c'est pour Guy Kaoué, Kaku Guy Kaoué. Et elle m'a montré dans un restaurant où il y avait beaucoup de personnes. C'est-à-dire avant d'arriver dans le restaurant, tu appelles. Parce que si tu n'appelles pas, tu ne peux pas manger là-bas. Donc, tu appelles pour qu'on te réserve un plat. Donc, elle avait déjà passé la commande. Avant qu'on arrive, elle a passé la commande. Donc, elle m'a dit, je mange quoi? J'ai dit ce que je pouvais manger. Et elle m'a dit, elle va manger ça. Donc, elle a passé la commande avant qu'on arrive. Donc, eux, ils avaient déjà fait le plat et tout. Parce que là-bas, c'est sur commande. Même si tu dois manger sur place, tu appelles d'abord. Parce que n'importe qui vient là-bas. Ce n'est pas un restaurant où tu peux débarquer. Si vous voyez le rang que les gens faisaient et le plat coûtait cher, ça veut dire un plat seulement, si tu n'as rien dépensé, c'est au moins 50 euros. Ce n'est pas les restaurants africains où on paye 10 euros pour manger là. Non, non, elle m'a envoyé dans un vrai restaurant. Est-ce que vous comprenez? Donc, on allait, on a mangé et tout. Je dis, je veux venir à la maison. Elle dit, non, guerre, il se fait tard. Tu ne peux pas aller quand même, tu ne connais pas la France. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà réservé chambre d'hôtel. Ah! Moi, je ne connais pas Paris. Je débarque, elle me dit, on n'a qu'à aller manger. Je ne connais même pas le restaurant. Elle me dit, non, ça y est, à côté de Champs-Élysées. On finit de manger. Il se faisait quand même un peu tard. Elle me dit, je ne connais pas Paris. Et quand je fais des vidéos, me laisser aller seul, ce n'est pas bon. Ça va être un peu dangereux parce que il se peut que des gens pourront se prendre à moi, les gens pourront me voir pour m'agresser. Donc, pour ma sécurité, elle préfère que je dorme et le lendemain, je puisse aller. Elle va me donner transport de taxi, elle va arrêter un taxi pour que je puisse prendre le taxi pour partir. Comme je connais l'adresse de là où j'étais. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, viens, mais... Ah, tiens! C'est dans l'histoire de il faut dormir. Parce que partir la nuit, ça va être dangereux pour toi. Ah! Niawa! Niawa! Donc, moi, j'ai cru qu'elle avait payé l'hôtel pour moi seul. Et qu'elle, elle allait partir. Et le lendemain, très tôt le matin, elle allait me trouver là. Pour me donner mon transport, pour que je puisse aller à la maison. Et de la maison, je puisse essayer de faire quelque chose pour rentrer en Belgique. Parce que ma gamme était en Belgique, me retourner. Gars, hôtel qu'elle a pris là. Elle aussi, elle ne veut pas rentrer à la maison. Elle veut aussi dormir à l'hôtel là-bas. Mais Gégé n'est pas un gaou. Gégé, c'est pas une famillette. Ah, tiens, même si elle a eu une vieille mère. Si elle a eu une vieille mère, c'est elle qui a... Elle m'a bipé, je dois décrocher. J'ai dit, elle m'a bipé, je dois décrocher. Ah, qui n'est pas Ouditi? Qui n'est pas garçon? Toi, tu as me bipé, bah, tu es vieille mère, et puis elle te regarde, je vais manger ça. C'est clair, il n'y a pas de débat. Elle me fait comprendre que non, elle aussi, elle ne peut pas rentrer à la maison. Ceci, cela, c'est rentrer ici. Bon, elle a inventé ces histoires bizarres-là. J'ai dit, elle parlait, moi, je ne l'écoutais même pas, je regardais ailleurs, je pensais autrement. Elle dit, non, elle va dormir avec moi parce que je suis son invité, elle ne peut pas m'abandonner dans un hôtel comme ça. Parce que s'il y a problème, ça sera son truc, son affaire. Donc, elle ne peut pas m'abandonner, elle préfère rester avec moi. J'ai dit, ah, tu as loué une déjà. Elle dit, non, t'inquiète, tu es mon frère, je suis ta soeur. On va dormir sur le même lit. J'ai dit, c'est comme ça commence, l'histoire de frère et soeur.
Je dis, nous voulons. Je dis, ça, c'est premier. Je dis, ça, c'est premier truc en bip. Il n'y a pas de souci, elle m'a bipé. Je vais répondre. J'ai voulu décrocher, elle a raccroché. Quand je parle comme ça, vous comprenez. Ça veut dire que ce sont les premiers jeux de trucs, de jeux de phare qu'elle m'a envoyé. Il fallait que je réponde, elle a coupé. Il n'y a pas de souci. Donc, pour dormir, il fallait que chacun se... Je ne peux pas dormir comme ça. On a pris un verre, on a mangé. Mais la sueur, hein, quand l'alcool te prend là, à un moment donné, tu es rempli de sueur. Ton corps est chaud. Ça bouillonne. Il faut te rincer. Je me suis rincé parce qu'il y avait des serviettes blanches qui étaient placées là-dedans, dans la salle, un truc de bain. Il n'y a pas de souci. Je me suis rincé. Et je me suis habillé pour venir me coucher. Elle aussi, elle dit elle ne peut pas rincer comme ça. Elle savait aussi se renseigner. Moi, je ne l'ai pas suivi dans la douche. Pour ne pas que les gens disent j'ai violé femme. Maman déjà, ou bien soeur déjà, je ne suis pas comme ça. Je l'ai regardé, je l'ai fait comme si je ne la voyais pas. Atia, Atia, elle s'est restée, waba, waba, waba. Elle vient, elle ne veut pas s'habiller correctement. Elle est dans un bon string, tu fâches là. String rose, d'une couleur rose, mes frères. Elle adore bien le tricot, la rose. La couleur rose, elle adore bien, c'est sa couleur préférée. Elle est dans string rose, soutien rose. Je dis, ah! Elle dit, ah, Gégé, enlève tes yeux là-bas, toi aussi. Je dis, non, viens. Je dis, ah, viens, mais elle dit, je te dis, pour pas m'appeler, viens, mais faut dire mademoiselle Gouza. Je dis, ok, ouais, mademoiselle Gouza. Elle est venue se coucher auprès de moi, sur le même lit, deux places, lit de deux places, là, de faire quoi? Moi aussi, pour ne pas chercher des problèmes. Parce que si c'est une amie simple, il n'y a pas de souci, on peut dormir ensemble sans rien faire. Est-ce que vous comprenez? Mais elle ne voyait pas ça comme ça. Moi, j'orientais le débat vers une amitié simple. Mais elle ne voulait pas voir cette affaire de trucs. Amitié, c'est... Elle ramenait toujours le débat dans une histoire de sexe. Je faisais tout pour contourner le truc. C'est-à-dire, elle était gamée. Hein? Elle était trop gamée. Gouza, elle était trop gamée. Donc j'ai tourné ma tête, je fais face à l'autre mur. Elle dit, hey, non, tu ne veux pas causer avec moi. Je dis, non, on peut causer. Elle dit, mais tu regardes là-bas, tu te fous de moi. Ou bien je sens ou quoi. Je dis, non, ah non, non, viens, me fous. Je dis, non. Elle dit, je t'ai dit, il ne faut pas m'appeler, viens. Je dis, ok, mademoiselle Gouza. Elle dit, voilà, donc on fait face à moi, on va causer. Voilà comment je tourne. Atia. Je tourne, voici les mains de Gouza qui glissent sur mes cuisses. J'ai dit, oh, miaoua, qu'est-ce qu'elle veut la nuit là? Ah! Elle veut faire fâcher le Baogi. Parce que mon triple, on appelle ça Baogi. Voilà comment elle met en colère mon Baogi. J'ai dit, si le Baogi est en colère, le Baogi ne t'a pas pilonné. Parce que son travail, c'est de pilonner. Ça mange pas riz, ça mange pas foufou. Ça va manger quoi? Est-ce que ça mange placarière, bleu, bleu? Ça ne peut pas manger toutes sortes de nourritures. Ça a une seule nourriture. Ça a une seule nourriture. Ça mange le cipitium. Le cipitium. Ah, voilà comment elle met. Sachez, je dis, ah, tu fais quoi? Elle dit, mais tu pensais que quoi? On est deux? Ou bien tu vas aller dire ça sur la toile? Je dis, non, arrête quand même. Je ne suis pas quand même idiot. Elle dit, alors, qu'est-ce que tu penses? Tu me plais et tout. Il y a longtemps, je te suis, il y a longtemps, voilà, tu es quelqu'un qui m'attire, mais je ne pouvais pas t'écrire pour te le dire. Je ne pouvais pas aussi t'appeler parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous aimez enregistrer les gens, vous aimez faire des captures d'écran. Donc, j'ai préféré à ce que tu sois en face de moi pour te le dire. Là, je suis rassuré que tu ne peux pas m'enregistrer. Tu ne peux pas faire capture d'écran et tout. Donc, ça se passe face à face. On fait tout, rien, il n'y a aucune trace. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà comment. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas encore. Parce que, premier jour là et tout, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais tu sais que, bon, je demande pardon à ma femme et tout ça, hein, mais tu sais que,
j'ai déjà une copine. Elle dit, mais et puis quoi? Toi, tu penses que moi aussi, je n'ai pas de prétendant, je n'ai pas aussi copain. Ou bien je n'ai pas un mari. J'ai dit, ah, moi, je ne connais pas ta vie privée. Je ne peux pas savoir avec certitude, avec qui, avec... voilà, tu vis avec qui tu vis et tout. Je ne peux pas savoir. Elle dit, bon, laissons ça. Tu penses quoi de moi? Je dis, non, je ne peux pas me mettre en couple avec toi. Elle dit, non, ce n'est pas une histoire de couple. Mais tu es là, je suis là, on est dans la même chambre, on fait quoi? Je dis, non, on ne fait rien. Elle dit, ah bon, tu ne fais rien? Un garçon comme ça, tu dis, tu ne fais rien ou bien il y a quoi? Je dis, non, il n'y a rien. Elle dit, non, écoute, on est ensemble, tu ne peux pas me dire que tu vas me laisser comme ça toute la nuit quand même, guégué. Je dis, non, je ne vais pas te laisser toute la nuit comme ça. Elle dit, ah, ok, tu me rassures. Elle commence à me caresser. Atia, Atia, quelqu'un qui a bu un peu. Tout le sang est chaud. Le cerveau. Oh. Je dis, quand je l'ai pris, vieille mère, là, j'ai oublié ça. J'ai mougou ça d'une manière. Vous la voyez, elle se joue les durs, les dangereux sur les réseaux sociaux. Mais elle crie façon, j'adore ça. Mais quand elle crie d'une manière comme une petite fille en fait, et je la regarde, je dis, mais c'est la vieille mère là qui crie comme ça. Ça m'a étonné en fait, parce que je vois que c'est une vieille mère pour moi. Et elle se joue les dangereux sur les réseaux sociaux. Mais je la vois en bas de moi sur le lit, en train de la pilonner, elle pleure comme une petite fille. J'ai vu que j'ai dit, non, les femmes sont rien. C'est du n'importe quoi. C'est le décor. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est un décor. Ah tiens, je ne peux pas gâter le nom des hommes. J'ai mougou ça d'une manière. J'ai mougou ça jusqu'à... Elle-même a dit, elle a fait sa vie. Mais elle n'a jamais vu un homme la mougou comme ça. Elle était fâchée d'une manière. Elle dit, tu veux me blesser, tu veux me déchirer. Gengé, tu veux me déchirer. Elle est fâchée. Elle s'est levée d'une manière. J'ai dit non, mais non, je n'ai pas encore joué. Elle dit, va te faire foutre. Tu veux me blesser. C'est pas comme ça. Tu penses que je suis devenu truc, je suis devenu ton diatra. Hein? Ou bien, ça fait longtemps que tu n'as pas baisé. Pourquoi j'ai dit ce nom-là? Ça fait longtemps que tu n'as pas encore mougou. Voilà pourquoi tu veux te décharger sur moi. Ah, non, je ne peux plus. Hey, je dis, j'ai tapé d'une manière. Ça ne venait pas. Elle-même, elle était en colère. Elle pleurait d'une manière. Elle était obligée de sauver sa peau. Moi, compris. L'incontournable, tout terrain. Tu vas me donner à boire. J'ai bu. Mon sang est chaud. Le baron dit, être aux aguets. Et puis, tu me provoques. Tu veux que je fasse quoi? De te caresser? De faire quoi? Putain. J'ai tagué ça comme il se devait. Une heure de temps, je partais au-delà d'une heure, elle n'a pas supporté, elle a fui. Elle dit non. Je dis non, viens. Elle dit, hey, si tu continues, je vais porter plainte. Laisse-moi tranquille, ça me fait mal. Non, c'est fini ça. C'est là qu'on a arrêté. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Ok, tu dis tu es fatigué, il n'y a pas de souci. Tu m'as excité pour rien. On a commencé, Gégé n'est pas encore venu et puis toi tu te fâches et tout, tu parles à faire de trucs parce que je t'ai blessé. Tu n'es pas une petite fille, tu es une vieille mère. Voilà, donc tu ne veux pas me dire que tu ne connais pas ça. Elle dit, laisse-moi tranquille. Elle se comportait comme une gamine en fait. Moi c'est que je demandais que le matin arrive pour que je me cherche. Quand le matin arrivait, j'ai dit, écoute, donne-moi mon truc, l'agent de taxi, je vais partir. Elle dit, je dis non. Donne-moi l'argent de taxi, je vais partir. C'est comme ça, mais donne l'argent de taxi et puis je gagne à temps. Je vais chez mon vieux père, j'ai attendu aux environs de 14h et j'ai pris le train Thalys. Je suis allé à la gare de Lyon pour prendre mon billet, pour me casser. Et je me suis cassé. Donc voici un peu comment ça s'est déroulé, cette affaire. Voici comment l'incontournant Gégé complet s'est retourné. Et donc de temps en temps, on causait au téléphone, on s'appelait, c'est mon ancien numéro là, j'avais un numéro belge là, qui se terminait sur 28.
ce numéro a été bloqué et tout. Je n'ai plus ce WhatsApp. C'était l'ancien WhatsApp que tout le monde connaissait. On s'appelait régulièrement sur WhatsApp. On s'appelait régulièrement sur mon numéro. Souvent même, elle m'appelait truc sur le numéro. Et elle m'a fait comprendre que non, elle avait aussi offert un ordinateur à B69. Que l'ordinateur que B69 a là, c'est elle qui a donné ça à B69. Et qu'elle allait donner des ordinateurs à chaque, hein, à chaque individu. Et tout. Maintenant, ça, c'était mon cas.